Les amis, ça va bientôt être l'entracte. Nous, on n'a pas beaucoup ça en France, mais ici, il paraît que vous avez l'habitude, les entractes. Ça coupe comme ça en plein milieu. Kev. Olivier Dion. Tu m'as pas juste fait venir pour la joke d'intro? Si, oui, si. Mais c'était top, hein, tu l'as hyper bien fait. Hein. Voilà, en fait, c'est parce que j'ai une chanson à proposer. Un petit truc que j'ai écrit comme ça. D'accord, enfin, parce que là, on n'avait pas trop le temps, mais ok, vas-y, si tu veux. Fais-moi confiance, c'est une chanson, en fait, sur l'agriculture. Sur l'agriculture? Ouais. Pourquoi tu veux faire une chanson sur l'agriculture? Parce que je trouve que c'est un vrai point commun de nos deux pays. Hein, pour vous en France, pour nous aussi au Québec, l'agriculture, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui nous unit. La terre, la culture, les plantes, la végétation. Ok, vas-y, comment elle s'appelle, ta chanson? Elle s'appelle « Les Français ont des petites graines ». Ben, j'ai mis les paroles au télésouffleur. Tu m'as mis les paroles dans le... Ouais, mais tu sais chanter, tu chantes, toi. Allez. OK. En France, on sent la passion du blé, la science de la vigne et du verger. À toi. Les jardins du parc de Versailles, au bois de Boulogne, dans les broussailles. Comme des bijoux qu'on tient cachés, la France a un secret bien gardé. C'est que du Mont Blanc au bord de la Seine, les Français ont des petites graines. En plus, ils parlent de la sienne. Les Français ont des petites graines. Wow, 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 wow. C'est quoi ce délire là? Ouais. Attends, je comprends pas là. On parle toujours d'agriculture, c'est quoi le délire? Ouais, je sais pas, pourquoi tu dis... Tu parles de quoi? Je sais pas, c'est toi, tu dis la sienne, la mienne, pourquoi, c'est quoi le... Oh. En plus, tu fais des trucs chelous avec ton doigt et tout, là, j'aime pas ça, moi. T'inquiète pas. Musique! Certaines sont dures, d'autres sont molles. Quand il fait chaud, parfois elles collent. Y'en a des poilus, y'en a des lisses. Certaines qui puent, d'autres qui glissent. Y'a autant de graines que de pénis. Wow, wow, wow! Quoi? Ok, c'est bon, on arrête, Olivier, je pense que j'ai bien compris. Ça te dérange pas si moi j'essaye aussi de chanter un peu en improvisation? Ok. Je rajoute juste un petit couplet, tu vois. Il faut qu'on reste sur le thème de l'agriculture. Ouais, on reste sur le thème de l'agriculture. Ouais. Est-ce que t'as déjà entendu parler de ce petit arbre japonais qu'on trouve partout au Québec et qui s'appelle le sgeg? Non. Bah c'est connu, hein, au Québec, il y a des forêts de petits sgegs. Hein. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Ok. Ouais, je t'écoute. Musique! C'est comme un héritage qui se lègue. Le Québec a des petits sgegs. J'ai déjà vu celle de mon collègue. Le Québec a des petits sgegs. Ok, c'est bon. Kev, ok, j'ai compris que t'as compris que j'ai compris. Le sgeg, là, c'est pas un petit arbre japonais, c'est ça? Ouais, et petites graines, ça n'a rien à voir avec l'agriculture, c'est ça? Bon. On fait la paix? On fait la paix, ouais. C'est à eux, j'en veux, ils sont tous foutus de ma gueule. Vous étiez tous là, il n'y en a pas un qui m'explique. Les petites graines, excellent. Ouais. Est-ce que tu sais quoi? On fait le refrain ensemble, on finit comme ça. Ok, on fait le refrain ensemble. Allez, du Mont Blanc au bord de la Seine, les Français ont des petites graines. J'ai déjà vu celle de mon collègue, le Québec. L'important c'est que l'on s'aime. L'important c'est que...